Angoissé quand vous avez vu l'ampleur du chantier, quoi. C'est quand même une grosse inquiétude. Au début, oui, on a eu peur un peu d'avoir beaucoup de jeunes, quoi. Quand on voit le chantier, l'ampleur du chantier. J'ai reçu un papier dans ma boîte aux lettres disant qu'on avait une réunion pour les personnes du quartier à l'école Robespierre. Et bah, là, on nous a expliqué comment allait se passer la démolition et puis la reconstruction derrière du site Bernard Moteur. J'ai vu qu'il faisait des tas avec de la ferraille, des tas avec d'autres produits, là, différents matériaux en divers endroits. D'après ce que j'ai compris, c'est quand même une nouvelle technique, donc assez, comment je dirais ça, ils appellent ça haute qualité environnementale. Le site des usines Bernard Moteur a été vendu par l'entreprise Renault à la ville de Rueil-Malmaison. Ce site a été laissé à l'abandon et s'est dégradé d'année en année. C'est la raison pour laquelle la ville de Rueil-Malmaison, c'est-à-dire la maîtrise ouvrage, a lancé une réhabilitation du quartier en détruisant ses usines. C'est ainsi que le maire a souhaité que ce chantier soit un chantier à faible nuisance pour les riverains. C'est un chantier de déconstruction et non pas de démolition. C'est-à-dire que nous allons prendre partie par partie le bâtiment, nous allons l'amener par terre pour effectuer un tri. Ces déchets sont envoyés en centre de valorisation. Ces centres de valorisation ont pour but de transformer ces matières en matières premières, secondaires. Secondaires, c'est pour dire que nous allons pouvoir les utiliser à d'autres projets, à d'autres réalisations, c'est-à-dire une deuxième utilisation de ces déchets. En ce qui concerne les déchets du BTP, on a tendance à dire que ça représente environ 30 millions de tonnes par an, donc c'est plus que la production d'ordures ménagères qui est de l'ordre de 26 millions de tonnes. Alors l'Île-de-France a un petit peu une spécificité puisque sur ces 30 millions de tonnes, il y en a 20 millions qui sont produits en Île-de-France, et sur ces 20 millions de tonnes, il y en a environ 12 millions rien que sur Paris et sa première couronne. Mais en Île-de-France, on produit 5 fois plus de déchets de BTP que d'ordures ménagères. Il y a 10 ans, quand on a dit aux Français « vous allez trier vos déchets », les gens ont dit « vraiment, c'est pas intéressant, on a autre chose à faire que de trier nos déchets ». Et il y a maintenant 80-85% de la population qui trie ses déchets. Cet objectif a été atteint. Eh bien, de la même façon, il faut qu'on fasse progresser les mentalités sur la gestion d'un chantier. Il y a sur un chantier des matériaux à récupérer, il y a des matériaux à réinjecter dans le circuit économique. En même temps que l'on a mené ce chantier, je crois qu'on a fait œuvre pédagogique. C'est ça la prise de conscience à HQE, c'est que ça veut dire que la haute qualité environnementale, en réalité, c'est prendre conscience que l'on n'a pas des ressources infinies, qu'on doit les maîtriser, et qu'en même temps, on doit maîtriser un certain bien-être d'un ensemble auquel on participe. C'est le bruit, c'est la chaleur, enfin, tous les sens doivent être respectés dans cette notion-là. Et là, on n'a plus le choix aujourd'hui. Bien sûr qu'on doit être HQE tout le temps. Alors les démarches HQE en cas de déconstruction, eh bien, il s'agit d'abord d'avoir un chantier à faible nuisance, hein, notamment pour l'environnement et pour le voisinage, hein, pour les riverains du chantier. Également d'organiser d'une manière la moins nuisible possible les circulations de camions, etc. Hein, et ça, c'est possible, hein, c'est une question d'organisation. Hein, c'est souvent, si ça ne se fait pas, c'est parce que les entreprises n'y prêtent pas attention ou parce que tout simplement ça les ennuie. Hein, on peut, en organisant les choses, avoir une organisation beaucoup moins apportant beaucoup moins de nuisance à l'environnement à des coûts qui sont constants, qui sont les mêmes. Thank you.
traduction de la politique environnementale dans les faits, c'est avant toute chose de penser le projet en amont. Ainsi, nous pouvons citer la rédaction d'appels d'offres incluant des paragraphes environnementaux, la mise en œuvre de techniques de déconstruction dans le cadre d'un chantier à faible nuisance, ainsi que la recherche de filières de valorisation locales. Il est très important de réaliser ce travail car nous allons aboutir à un outil qui va être mis à disposition de l'entreprise pour réaliser ce projet. La maîtrise d'ouvrage confie la réalisation du projet à une maîtrise d'œuvre d'exécution. Ici, le service technique de la ville de Rueil-Malmaison. Par l'intermédiaire du service environnement de la ville, on a cherché des bureaux d'études spécialisés dans ce domaine, pas forcément de la déconstruction, mais dans le domaine HQE. Et on a trouvé celui qui était prêt à nous aider dans cette définition de retranscrire le côté HQE dans de la démolition, puisque c'est plutôt, dans notre esprit, c'était plutôt dans la construction. Et ce bureau d'études a su exprimer les axes sur lesquels on demandait à l'entreprise de travailler, notamment en tout ce qui est recyclage, qui est une grande partie, une des deux parties principales de cette opération, et la deuxième partie qui est la diminution des nuisances provoquées par le chantier. Nous avons donc accompagné le projet et la maîtrise d'ouvrage. Une de nos tâches les plus importantes a été la rédaction du CPE, c'est-à-dire le cahier des prescriptions environnementales. Document dans lequel nous allons retrouver l'ensemble des pièces constitutives d'un projet en développement durable. La mission que j'ai menée sur le site de Bernard Moteur a été de réaliser un diagnostic déchets permettant de quantifier et de définir la nature de ces déchets. Tout d'abord, on fait une recherche documentaire sur l'ensemble des éléments qui ont pu constituer les différentes étapes de construction de l'ouvrage Bernard Moteur. On s'est aperçu au cours de cette reconstitution et de son historique qu'il nous manquait un certain nombre d'éléments. Donc nous avons été obligés, sur place, de faire des relevés précis des ouvrages existants. Nous avons rencontré sur cet ouvrage, je dirais pratiquement toutes les catégories de déchets qui existent aujourd'hui dans le bâtiment, à savoir des inertes, des déchets industriels banals et également des déchets spéciaux et en particulier de l'amiante, friable et non friable d'ailleurs. Cet audit va permettre d'une part à l'entreprise d'estimer d'une façon plus précise les différents constituants de l'ouvrage et également de trouver une grille de remise de prix, de décomposition pour faire apparaître évidemment la partie valorisable des déchets qui ont été répertoriés tout au long de ce diagnostic déchets. Il y a eu une appel d'offres qui a été lancé, donc nous avons répondu au même titre que d'autres entreprises. Nous avons donc fait une étude en se rapportant auprès de l'audit qui avait été fait au préalable. Nous, on a fait une contre-vérification par rapport à l'audit et par rapport à un visuel d'une visite par nos maîtreurs. Ensuite, donc, ça nous a permis d'établir un prix en fonction des différents déchets et matériaux à sortir du site. On procède là comme genre de chantier HQE, donc on minimise le bruit, la poussière et les effets nuisants, surtout pour les riverains. Et donc c'est plutôt par grignotage, donc c'est du broyage hydraulique en fait. On équipe les pelles de pinces hydrauliques, donc qui croquent les ouvrages. Et puis après, donc la première phase, c'est la mise en sécurité des bâtiments. Donc c'est casser les carreaux qui sont ébréchés, boucher les trous éventuels. Et après, c'est de faire une partie, ce qu'on appelle curage, démolition curage. C'est-à-dire que c'est plutôt une partie manuelle, où on travaille donc avec des mini-engins, ce qu'on appelle les mini-engins. Donc c'est mini-pelle, bobcat. Donc on procède à un tri, en gros, c'est qu'on vide l'intérieur de tous les bâtiments. Donc tout ce qui est déchets industriels, comme le plastique ou le bois. Donc on peut recycler. Donc ça, ces choses-là, on les trie directement. Et puis on les évacue en benne.
Après curage, on arrive à la phase de démolition des gros œuvres, donc avec les gros engins de chantier. C'est la grosse démolition, démolition totale des superstructures. On recycle encore ces matériaux-là. Donc tout ce qui est béton propre, donc ça part en centre de recyclage. Et ça sert à faire du ballast pour les routes ou tout un tas de matériaux. On recycle aussi tout ce qui est produits plâtriers. Et puis reste que ce qu'on appelle la décharge, les matériaux de type classe 3 qui partent en décharge classique. L'objectif, ça va être quasiment de séparer les vitres des fenêtres, les poignées de porte. Enfin, je pousse un petit peu à l'extrême le raisonnement, mais c'est quand même, ça peut aller très loin dans la déconstruction matériau par matériau. Il va y avoir vraiment un travail fin sur le choix des matériaux. Bien évidemment, il y a déjà du tri sélectif qui existe dans tous les chantiers. Dès lors qu'il y a une valeur ajoutée d'un certain nombre de déchets, c'est normal que le tri sélectif ait été mis en place. Là, l'idée, c'est d'aller vraiment plus loin, c'est-à-dire de travailler en finesse, je dirais, et pas simplement en termes de spéculation financière, parce que c'est rémunérateur ou pas rémunérateur. Il y a aussi un travail sur les matériaux et une réflexion très approfondie sur le diagnostic initial qui va peut-être permettre d'identifier des filières qui, a priori, n'auraient pas été triées. Pour toute la gestion de chantier, nous avons organisé une réunion toutes les semaines, donc avec la maîtrise d'œuvre, le maître d'ouvrage, ainsi que le coordinateur de sécurité. Et toutes les semaines, nous faisons le point sur l'avancement de chantier, sur les problèmes qu'il peut y avoir ou qu'il pourra y avoir, tout ce qui est autorisation de voirie, tout ce qui est démolition à risque au bord des rues, enfin que le client obtienne ce qu'il veut, que l'entreprise avance dans le bon sens et surtout qu'il n'y ait pas de soucis particuliers à la démolition. C'est un projet que l'on a été porté auprès de la population à maintes reprises. On a eu des réunions de concertation, d'abord pour dire que l'on allait démolir pour faire un projet, et on a été expliqué ce projet-là. Et c'est là où on a eu, à mon sens, une attitude totalement pédagogique à la matière. C'est-à-dire, un, on va démolir de telle et telle manière. Deux, on va s'inscrire dans une notion de haute qualité environnementale. Et on a expliqué ce qu'était la haute qualité environnementale avec nos services aux gens. Et là, on aurait pu croire que c'était austère et que les gens ne venaient pas. C'est pas vrai. Les gens sont venus nous écouter parler de déconstruction. Il y a un certain nombre d'outils, effectivement, de communication pure. Il y a les réunions publiques, information dans le bulletin municipal. Il y a la communication papier, classique, facile, celle qu'on sait mettre en place. Puis alors après, il y a les petites initiatives. Une boîte à lettres sur le chantier, effectivement. Ça, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher et qui est là tout le temps. Des panneaux d'exposition sur la clôture, et un journal de chantier distribué. Et montrer aux gens la progression du chantier et puis bien indiquer qu'on reste à l'écoute. Et puis je crois aussi que plutôt que de trouver ces grands bardages tout le tour du chantier, d'avoir des échappées possibles au travers d'une clôture qui était ajourée à certains, sur certains endroits du chantier, à la périphérie du chantier, ça c'était important. Et
des visites laisse une impression assez saisissante parce qu'on voit donc des bâtiments avec tout matériau mélangé. On voit une pelle, même deux pelles, qui sont toujours des engins assez impressionnants, hein, et en bout de course, hein, une fois que le travail de la pelle est fait, avec une intervention de l'homme également pour affiner un petit peu, on voit différents tas qui sont vraiment d'une homogénéité totale. Hein. On voit que la qualité du tri a été vraiment très très fine. Alors qu'on part d'une structure, un bâtiment où tout est mélangé et avec des outils qui paraissent relativement lourds. Hein. Donc il y a un savoir-faire, hein, véritablement, hein, de la part des professionnels, et à nous de leur offrir aussi des contrats qui donnent des possibilités pour aller aussi loin que possible à ce niveau-là. Quand ils arrivent sur la plateforme, au niveau du déchargement, on vérifie la qualité du produit au niveau du bois. Après, on sépare tout ce qui est les éléments exogènes, plastique, ferraille, papier, tous vraiment les éléments qui ne font pas uniforme avec le bois, ou ce qui ne nous intéresse pas après au niveau de la qualité du bois. Après la période de stockage, le bois est broyé, il est rechargé sur un camion, pour repartir chez le client, et le client s'en sert soit en bois de chauffage ou alors en bois pour compresser, pour refaire des planches. L'objectif pour justement obtenir un chantier de qualité était initialement de former à nos procédures tout le personnel d'exploitation sur le chantier de Royal Malmaison. Notre ingénieur QSE s'est déplacé deux ou trois fois sur le site pour former les différents acteurs locaux qui sont eux responsables sur le terrain du tri et de la qualité du tri effectué. Sur l'un de nos chantiers, on a récupéré des copeaux de bois palettes. Ces produits vont être valorisables soit pour faire du co-compostage, soit pour faire des panneaux de particules, soit éventuellement pour aller en valorisation énergétique. Là, vous avez du bois d'élagage. Tous ces produits-là ont un débouché en valorisation énergétique. Sur les 100% de tonnage qui vont rentrer chez nous, il y a 95% qui va être valorisé soit sous forme énergie, soit sous forme matière. Et les 5% restants vont partir en déchets ultimes. Concernant les bois de démolition ou les bois de chantier en général, c'est très difficile de gérer ces clients-là parce qu'ils sont habitués, eux, à avoir un lot de DIB et aller dans des centres d'enfouissement technique. Voilà. Et encore, au mieux. Alors qu'à l'heure actuelle, on essaye d'inculquer les gens et de les impliquer en disant voilà, c'est des produits qui sont valorisables, avec un coût, mais certainement moindre que les CET. Et c'est là où, justement, au vu de la réglementation et au vu de notre position, on peut se positionner. C'est les produits, à partir du moment où ils ont été traités, où ils ont été traités intelligemment, il y a une valorisation indéniable et pour tous les types de bois. Dans un chantier HQE, il y a une chose qui est très importante, c'est le suivi documentaire. Tous ces matériaux, tous ces déchets, tout ça circule, part à différents endroits et traité de façon différente. Tous ces déchets ont eu un suivi avec des bordereaux de suivi de déchets qui étaient donnés aux transporteurs à chaque sortie de camion ou de benne du chantier. Ça permet de vérifier que nos déchets sont bien partis dans les endroits prévus à cet effet, et non pas mis n'importe où dans la nature. Donc c'est pas une contrainte, il suffit de s'organiser, de classer bien tous ces papiers-là pour qu'en fin de chantier, le client ait un dossier complet sur le suivi des déchets. Tout déchet qui rentre sur un site et qui casse des déchets dangereux est suivi, quelle que soit la quantité, par ce type de bordereau. La société ATD a donc demandé une acceptation préalable pour pouvoir nous livrer ce déchet donc de tube fluorescent. Et ils nous ont renvoyé, je crois, 3 kits pour un poids total de 560 kg. Après les différentes opérations de recyclage, on obtient donc plus de 93% de verre par rapport au poids initial. Ce verre a une utilisation dans les abrasifs, le papier de verre, ou dans la fabrication des mots pour salle de bain. Après, vous aurez la partie qu'on appelle les non-ferraux, donc c'est principalement des capsules d'aluminium pour le tube fluorescent. Et ça, c'est une application très simple. L'aluminium est plutôt même prisé. Les cours sont relativement intéressants en ce moment. Et c'est la partie qui a le plus de valeur par rapport
un poids égal, mais le poids en est très faible puisqu'on est de l'ordre de 2% à peu près du poids du tube. Notre tube, nous l'avions concassé, nous avions pu extraire le verre et une poudre, la poudre lumineuse qui donne cette couleur un petit peu blanche à tous nos tubes. Cette poudre arrive dans cette unité, une unité dans laquelle nous allons en fait récupérer le mercure qu'elle pouvait contenir. Pour cette opération, nous utiliserons un four qui va permettre de chauffer cette poudre. Nous allons donc avoir un gaz. Le refroidissement de ce gaz va faire que nous allons ensuite récupérer du mercure. C'est lui qui rend en fait le déchet, on va dire, dangereux ou catégorié comme tel. 15 grammes pour une tonne, c'est très très peu, mais ça nous permet quand même de récupérer, bon an, mal an, entre 1 et 2 tonnes de mercure pur. Réutilisé dans des applications aussi diverses que la fabrication du chlore, qui est toujours fait par électrolyse au mercure dans pas mal d'usines en Europe, ou certains instruments de mesure professionnels. Et il n'y a aujourd'hui aucun souci pour réinjecter en fait ce mercure dans les circuits industriels. Le chantier de déconstruction a duré 6 mois. 6 mois durant lesquels la traçabilité des déchets de chantier a été totale, c'est-à-dire que 100% des déchets ont été suivis via des bordereaux de déchets. La charte environnementale a été respectée du début à la fin par l'entreprise sur le site de déconstruction de Rueil-Malmaison. L'idée qui aurait été là cette fois-ci particulièrement innovante et exemplaire au niveau français, ça aurait été justement dans le cadre de cette opération de Bernard Motteur, c'est de pouvoir récupérer le béton qui aurait été issu de cette déconstruction pour pouvoir le réutiliser sur place dans le cadre des nouveaux projets de construction de logements. Ça, c'est quelque chose à prévoir à l'avenir. Ce chantier nous laisse une impression très positive hein, du souhait que nous avions au départ de faire un peu mieux que d'habitude. Je pense que mes collègues de l'architecture ne diraient pas le contraire. On voit que c'est une réussite parce que l'engagement hein, que nous avait donné notre conseil HQE, hein, qui est le bureau d'études GECOB, était qu'on peut trier plus, valoriser plus. Bien sûr, il y a un peu plus de main-d'œuvre et de temps passé à le faire, mais derrière, la valorisation matière, finalement, rééquilibre les coûts. On sent qu'aujourd'hui, les communes, en tout cas dans les Hauts-de-Seine, sont très sensibilisées sur ce sujet. Et que autant ça nous a paru long de démarrer, autant maintenant j'ai l'impression que ça va aller très vite et qu'on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux projets. On est quand même assez satisfait de voir que la population accepte les désagréments de cette affaire. J'ai pas une nuisance, hein. C'est ni au point de vue bruit, ni au point de vue poussière, ni rien, quoi. Pourtant, on est assez près. Il y avait un système de brumisateur qui faisait que, en fin de compte, il n'y avait pas de poussière, quoi. Non, on n'a pas subi beaucoup de contraintes. On a eu quelques vibrations dues aux engins, mais bon, c'était vraiment insupportable. C'est très propre en plus, il n'y a plus rien, c'est nickel, ça n'a pas duré longtemps. Et oui, c'est la première fois que je vois ça, ouais, c'est assez spectaculaire. Ce qui serait bien, c'est que la construction soit effectivement un peu après, si on pouvait aller vers des solutions écologiques un peu, ça serait pas mal.